Oh, nous sommes à l'école, dans le, in the school of the Brookhaven, et je dois faire mon premier cours. Je suis vraiment très pas stressée parce que je suis vraiment une prof d'exception. Je suis la prof du grenier. Et on va aller en salle de cours. Oh, ils sont là, les élèves. Ils ont l'air très sympathiques. Allons voir. Et guten Tag, les enfants. Au revoir. Yo. Oh, du coup, je vais faire la feuille de présence pour savoir qui est là et qui n'est pas là pour le cours. Et voir qui va rater sa vie et celui qui ne va pas rater sa vie parce qu'il sera là à mon cours. Ok, alors commençons. Alors, la fille aux cheveux bleus? Ouais, filam dame. Ok, perfect. Perfect, awesome. La racaille. Madame. Ok, la racaille est là. D'accord. Ensuite, il me faudrait savoir si il y a l'intello. Si, mademoiselle. D'accord, l'intello est là. Ensuite, la michto. Là. Ok, et la dernière personne, il y a marqué, bah, on sait pas t'es qui. Est-ce qu'elle est là? Elle est là? Oui, d'accord. Ok, perfect. Tout le monde est là. C'est perfect. Et le petit Néo? Non, le petit Néo n'est pas là, d'accord. Le petit Swan? Néo et Swan? Voilà. Pas là, madame. D'accord, ils vont rater leur vie, vraiment. Ça, voilà, c'est vraiment le sujet de notre cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui s'intitule le YouTube Game, d'accord. Et donc, forcément, Neo et Swan, ils font que les YouTube. Ils vont rater leur vie s'ils viennent pas à l'école, d'accord. Ne suivez pas leur exemple, les petits. Alors, petit. Le Python, on l'a tous vu, ça. Exactement. Ne refaites surtout pas ça. C'est vraiment effectué par des professionnels, d'accord. Le petit Pépito, la petite pépite de chocolat, d'accord. Ok, on va commencer le cours sur le YouTube Game. Dans un premier temps, j'aimerais bien savoir votre avis sur le YouTube Game. Est-ce que quelqu'un a envie de donner son avis sur le YouTube? D'accord, la racaille, on t'écoute la racaille. C'est mieux TikTok. Tu as dit c'est le mieux le TikTok ou le YouTube? Non, c'est mieux TikTok. Wesh, tu t'es plus pris. D'accord. Est-ce que d'après vous, TikTok est meilleur que le YouTube Game? Non. On t'écoute, la fille qui sert à rien au premier rang? Non, TikTok c'est plus pour les... D'accord, donc c'est pour les... On va appeler ça les chouins, d'accord. Donc, d'après toi, c'est pour les chouins, le TikTok, d'accord. Toi, la Michto, on t'écoute? Oh, je suis bien d'accord, mais moi YouTube ça rapporte de l'argent. D'accord, donc d'après toi TikTok ne rapporte pas d'argent. Ouais. Hein. D'accord, mais étant donné que tu es le michto de la classe, ça veut dire est-ce que tu utilises le TikTok? Bah bien sûr. Hein. T'as cru de quoi? Hein. Et combien as-tu de followers? J'en ai 15 000. Hein. D'accord, attends juste un petit instant, c'est vraiment la pause syndicale pour le professeur. Hey, salut les TikTok, regardez, je suis avec une star de TikTok. Regardez juste derrière moi, voilà. Perfect. Ok, fin de la pause syndicale. Donc ensuite, quelqu'un d'autre avait un avis sur le TikTok ou sur le YouTube? D'accord, la racaille, on t'écoute. Ouais, et il faut que j'ai de la merde, parce que TikTok c'est pour les jeunes et YouTube c'est pour les vieux. Et ouais. D'accord, donc il y a une clash de generation. Les generations des vieux sur le YouTube Game et les generations des tout petits sur le TikTok. D'accord, c'est très intéressant. C'est pas les tout petits, c'est des... C'est des cool. C'est des quoi? C'est des cool. Ah, donc les personnes qui sont sur le TikTok, ils sont very cool? Ouais. Et les personnes sur le YouTube, vous les définiriez comment? Has been.
Ah, donc le YouTube, c'est le has-been, d'accord. Très intéressant tout cela, très intéressant. Oui, on t'écoute, la Michto? Alors moi, je voudrais dire quelque chose. Il y a aussi beaucoup d'hommes dans cet univers de TikTok, ce qui est parfait. Hein. TikTok, voilà, il y a beaucoup d'hommes hein, bien âgés. Ah oui, c'est vrai, il y a vraiment du beaucoup de pervers, le pédobir sur le TikTok. On t'écoute, la fille aux cheveux bleus? Ouais, madame, moi, pour donner mon avis, je préfère vraiment YouTube. Quand sur YouTube, il y a la chaîne Vroom Vroom, genre il y a les tutos DIY et tout dessus. Du coup, je préfère ça parce que sur TikTok, il n'y a pas ça en fait, il n'y a que des débiles mentaux. Tandis que la chaîne Vroom Vroom, ça nous apprend à fabriquer des trucs et tout. D'accord, je vois. Ah oui, on va parler de cette chaîne très rapidement, les amis. Alors, les enfants, la chaîne Vroom Vroom, il faut vraiment faire le DIY. Vous avez vraiment une chance sur deux de mourir lorsque vous faites leur DIY. C'est C'est ça qui est vrai. drôle, madame. Genre, il y a eu 50% de morts. Sur TikTok, il n'y a pas ça, il y a que des débiles mentaux. C'est très bien. Oui, la Oh. racaille. Sur TikTok, au moins, il y a des abdos, pas sur Vroom Vroom. Sur Vroom Vroom, il n'y a que des pieds, pas beau. Oh, il n'y a que des pieds sur Vroom Vroom. C'est bien pour les fétichistes. Oui, on t'écoute, l'antello. Madame, à un moment, vous avez parlé de pédobir, mais je ne sais pas ce que c'est. D'accord, est-ce que quelqu'un sait ici ce que c'est un pédobir? Oh, oui, la fille aux cheveux bleus? Ouais, madame, même qu'une fois j'en ai rencontré une, ils se cachent dans les feuillages et tout, et hop, un coup ils apparaissent comme ça, et on sait pas comment vous avez un enfant, c'est des espèces de petits nounours. Très méchant. Donc ça veut dire que tu as rencontré un pédobir Oui, oui. in the real life. Oui, in the real life, IRL comme on dit, madame. Très intéressant. Mais Attendez, il faut faire attention. la fille qui sert à rien, on t'écoute. Bah moi, les pédobirs, j'en ai déjà vu. Ils étaient venus dans ma maison, et ils étaient avec ma maman. Avec ta... Mais quel âge a ta mère? Elle a 16 ans. Oh, fucking shit. Oh, incredible. C'est incroyable, vous avez tous des vies incroyables. On t'écoute la michto. Alors moi, les pets, comme vous dites, moi je les vois pas comme ça. Moi je les vois comme des sources d'argent. En fait, bah, si vous faites un enfant avec eux, et bien ils vous donnent du flouze, c'est parfait, hein. Intéressant, vraiment, j'aime beaucoup ta perspective de life, c'est très intéressant. Écoute-moi, tu vas vraiment aller loin dans la vie. Ah, je sais, hein, je prévois de faire mannequin. Incroyable. Alors, attendez, la fille aux cheveux bleus? Oui, madame. Alors, j'étais en train de regarder une vidéo de Mimi Fitpat sur YouTube là. Du coup, avec tous ces exercices, il y a mon ventre qui s'est contracté. Du coup, là, genre, je sens que je vais avoir un enfant. Écoute, c'est pas le moment. D'accord? Va t'asseoir. Ouais, ok, pas de soucis. Ok, l'intello? Je voudrais vous poser une question. À J'écoute. partir de combien de vues et d'abonnés la monétisation légale est permise? À combien de vues et d'abonnés? C'est une très bonne question, ça. Combien de vues et d'abonnés? Je pense qu'il faut avoir au moins 3 millions d'abonnés et 4 millions 500 milliards de vues pour commencer la monetization on le YouTube game. Oui, on a fixé rien? Non, j'allais répondre à la question. Ah, est-ce que ta réponse était différente de la mienne? Oui. Ok, on t'écoute. J'aurais dit plutôt 4 milliards d'abonnés et 500 milliards de vues. Exactement, tu as la perfect. Je note. Ok. Voilà, je t'ai mis un 20 sur 20. Parfait, pour ta participation. Ok, la racaille. On t'écoute, la racaille. Pas moi, qu'est-ce qu'il y a à moi? Ah, tu avais pas levé la main, d'accord, donc j'ai rien dit. Non, c'était pour parler des. Ok, on t'écoute. Ils sont tous abonnés à moi, je les connais bien. Ah, ils sont abonnés. Oh, ça veut dire que tu as une chaîne. TikTok. Tu as une chaîne YouTube? Sur TikTok. Oh, YouTube, c'est has-been. D'accord, sur TikTok. Ça veut dire qu'il y en a pas mal sur le TikTok. La Michto?
Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport aux vues et aux abonnés. Hein. Il faut pas avoir peur, hein. C'est très très peu encore, genre juste 4 milliards. Genre, moi, je les ai eu tellement vite. Hein. Vous croyez que quoi? Que j'ai pas la monétisation, hein? Tu les as eu en combien de temps, les 4 milliards de subscribers? Je crois en un mois, hein. Genre, j'ai fait quelques petites vidéos sur YouTube Game et j'ai eu très très vite les abonnés. Genre, voilà, hein. Perfect. Ok, l'intello. Moi, j'ai une question pour la Michto. Est-ce qu'on pourrait voir une de vos vidéos? Parce que pour avoir autant de vues, c'est qu'elle doit vraiment être bien, non? Bah oui, hein, tu crois que quoi? D'ailleurs, tu fais des vidéos sur quelle thématique? Et bien, soit je remets mes TikTok sur YouTube pour les gosses qui n'ont pas TikTok. Voilà. Et je fais aussi beaucoup, beaucoup de vidéos dans une piscine et tout. Hein. Ah, dans les jacuzzi. Ah, ça, c'est le phénomène. Dans le jacuzzi. Et tu fais les danses habillées vraiment presque nues, c'est ça, non? Oui, en bikini hein, et tout. Hein. Oh. Qu'est-ce qui se passe, la fille aux cheveux bleus? Arrête de vomir partout. Des petits remontés, vous inquiétez pas. Mais pour répondre à votre question de la monétisation, là, madame, je crois que en fait, c'est 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Je crois, je suis pas, pas sûr. Non, ça me paraît très peu. Très ah, peu, bon. Je pense. Non, ça ah doit bah. Pas être ça. Non. Peut-être que je me suis trompé, alors. Ok, la fille, c'est rien, on t'écoute. Moi, je comptais mettre dans des vidéos YouTube, comment utiliser sa sucette à la pomme. Oh, ça c'est vraiment... Attends, je note pour... bien évidemment pas pour mes futures vidéos. Hein. Alors, faire une vidéo en suçant une saucette. C'est noté. Ok. Lick sucette. D'accord, parfait. Oui? Est-ce que quelqu'un... Oui? J'allais lever les bras tout à l'heure, là. Vous m'avez toujours pas interrogé. Ah, le interrogation surprise. Ok, tout le monde, vous pouvez remercier votre collègue l'intello parce que grâce à lui, vous allez faire une interro surprise. Surprise. Rien de rien. Prépare ta nuit, hein. Elle va être très très mouvementée. Hein. Tu risques de te retrouver dans une petite boîte, dans un énorme trou de terre. Hein. On va te fumer, voilà. Allez, sortez tous vos crayons et vos feuilles de papier. Nous allons faire une interrogation surprise sur le YouTube game. Ça veut dire que, bien évidemment, toutes les personnes qui vont s'abonner à ma chaîne ne sont pas obligées de faire cette interrogation surprise. Vous avez un 20 automatiquement, d'accord? Hop, alors, s'abonner. C'est quoi le nom de votre chaîne, s'il vous plaît? Perfect. Le nom de ma chaîne, it's le meilleur professeur de tout le YouTube game. Regardez, madame, j'ai t'abonné à votre chaîne professeur. Ah, parfait, je te donne un 20 sur 20, c'est parfait. C'est parfait. C'est bon. Je l'ai fait aussi, madame. Ah, perfect. Madame, perfect timing. Regardez. Ah, parfait. Ok, c'est perfect. Et pour les autres, c'est interrogation obligatoire. Et vous ouvrez en plus un 0 madame. Sur 20. Oui. Mais je voulais vous dire hein, depuis tout à l'heure hein, que ben, genre ça fait un mois que je suis abonnée hein, à votre chaîne. Hein. Regardez. Ah, perfect. Ah bah tiens, je te donne un deuxième 20 sur 20. Du coup, pour madame. Être abonnée à ma chaîne depuis plus longtemps, c'est parfait. Et à chaque like, vous avez un 20 sur 20, d'accord? Perfect. Ok, hein, j'ai liké. Madame. J'ai liké toutes vos vidéos. Ok, du coup, le cours est terminé, les amis. Le cours est terminé. C'est parfait. À demain. J'ai payé le sponsor. De quoi? J'ai payé le sponsor le plus cher. Oh, tu as payé le sponsor le plus cher sur ma chaîne YouTube. D'accord, je te donne. C'est bon, t'as fini ton année. C'est perfect. Wesh, madame. Elle est où la fille bleue, là? Elle est où la fille bleue? Ah, je sais pas. La fille aux cheveux bleus avec son bébé dans les mains, je sais pas du tout où elle est passée. Elle est partie. De toute façon, c'était qu'une pauvre, on n'avait jamais aimé. Oh,
J'ai fait une pub pour vous sur ma chaîne. Hein. Ah, parfait. Ok, le cours est terminé. À demain, les enfants. Passez une agréable soirée. À vous abonner à ma chaîne. Mettez des likes. Et à demain. Bisous, bisous.